bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Aujourd'hui, comme promis, on vous emmène sur les marches du Palais des Festivals où a été projeté hier le film Café Society de Woody Allen. Un autre long métrage est projeté aujourd'hui, lui aussi très attendu. Jodie Foster présente Money Monster, son 5e film en tant que réalisatrice. On vous montrera les premières images en fin de journal. On fera ensuite un tour d'horizon des tenues les plus extravagantes portées sur la croisette. Bonjour à toutes et à tous. C'est hier soir qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Après une journée pluvieuse, le soleil a montré le bout de son nez pour accueillir les célébrités du monde entier. Pour démarrer en beauté ces 15 jours de compétition, Woody Allen a présenté hier soir son film Café Society. Notre équipe vous propose de redécouvrir l'atmosphère de cette première journée du festival. Blake Lively, Corey Stoll, Jesse Eisenberg et Kristen Stewart ont foulé le tapis rouge hier soir pour la projection de leur long métrage Café Society, réalisé par Woody Allen. Ce film rend hommage au cinéma hollywoodien des années 30. Présenté hors compétition au Festival de Cannes, le film est projeté tous les jours à la salle du 60e. Pour la première séance publique, les cinéphiles étaient au rendez-vous et ont patienté pendant plus d'une heure et demie pour mériter leur place. Woody Allen a conquis une nouvelle fois un public déjà fasciné par ses précédentes réalisations. C'est du Woody Allen très classique, beaucoup de dialogues. Alors on est loin des dialogues, des questions métaphysiques de Manhattan. C'est des dialogues plutôt sur le couple, sur les histoires d'amour. Donc ça reste quand même très classique, mais c'est quand même un film intéressant. Woody Allen a ouvert la marche avec son film Café Society, qui a officiellement lancé le Festival de Cannes 2016. Les autres films en compétition pourraient bien avoir le même succès. Et pour tenter d'apercevoir Woody Allen ou les autres célébrités présentes hier sur le tapis rouge, les fans les plus assidus n'ont pas hésité à installer leur tabouret depuis la veille devant le Palais des Festivals. Une pratique courante qui s'est installée au fil des éditions jusqu'à devenir une véritable tradition. Pour voir des stars, certains sont prêts à tout. En face des marches du palais, les meilleures places sont convoitées plusieurs jours avant le début du festival. Les fans sont venus réserver leurs places et enchaîner leur matériel aux rambardes. Depuis plusieurs années, ils font partie du paysage du Festival de Cannes. Installés depuis la veille, pour voir au-dessus de la foule, ils utilisent des escabeaux et forment une bande. Bon, avant j'habitais dans le nord, donc je venais aussi, on faisait le déplacement et tout ça. Et puis on a connu, j'ai connu tous les gens qui sont là. On se retrouve chaque année. Chaque année on trouve les mêmes et voilà quoi, on a lié des liens d'amitié, etc. La bande des escabeaux a un leader, Martine, une femme passionnée qui assiste à la montée des marches depuis plus de 20 ans. Cette année encore, elle est aux premières loges pour observer la cérémonie du haut de son escabeau. Accompagnée de son groupe Les Amoureux du Cinéma, elle espère bien repartir de Cannes avec des souvenirs. Et on est vraiment des cinéphiles et on vient tout le temps à Cannes. On fait des photos et notre but, c'est de faire signer nos photos avec les acteurs. Bon, les plus jeunes, évidemment, c'est des selfies, des photos rigolotes et puis de les faire signer après, des petites vidéos. Et voilà, organisé. On m'a présenté ici comme l'endroit du gang des escabeaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce surnom? Alors moi, ça me va très bien parce que je trouve que leur Pernod, il nous a... Moi, ça me fait rire, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, mais moi, ça me va très bien. Je trouve ça sympa, mais oui. Alors, moi, je rigole, prends tout à la rigolade. Au-delà des photos et des autographes, ce que ces cinéphiles partagent, c'est aussi l'ambiance unique du Festival de Cannes. On reste avec les fans qui écument la croisette. Pendant 15 jours, ils essayent par tous les moyens d'avoir le fameux sésame pour aller voir les films projetés en compétition. Reportage de Morgan Stemlin et Céline Schell. Une fois la cérémonie d'ouverture digérée, la diffusion des films a commencé aujourd'hui au Festival de Cannes et déjà de nombreux fans et amateurs de cinéma internationaux se sont armés de leurs pancartes pour obtenir une invitation de dernière minute. Ça marche avec beaucoup de patience, savoir se lever tôt, attendre, et ça marche. J'ai été voir un film à la quinzaine, puisqu'on peut avec notre badge rentrer à la quinzaine. Et puis là, ça doit faire une heure, et j'ai 4 invitations. Ils sont nombreux à se présenter devant les files d'attente, accompagnés d'une feuille ou parfois d'un bout de carton, dans l'espoir de se voir offrir un ticket très prisé pour assister aux projections. Je viens chaque année au Festival de Cannes pour venir voir des films, et puis voilà, j'essaie de trouver des invitations, comme je n'ai pas la patience pour préparer un dossier à l'avance. Et voilà, tous les films, j'essaie d'aller les voir, donc des fois c'est 3, 4, 5 par jour, et puis des fois un peu moins, en fonction de la générosité des gens qui me donnent une invitation ou pas. Ce matin, Café Society de Woody Allen et Money Monster de Jodie Foster ont eu les arguments convaincants pour motiver ces passionnés à attendre, parfois des heures, avec bien sûr le risque de repartir bredouille.
Le Festival de Cannes, c'est avant tout une compétition internationale de films, mais c'est aussi un événement sur lequel il faut être vu. La mode explose dans la ville du cinéma. Marine Allenbach et Clémence Klesinski vous proposent de découvrir les tenues portées lors de cette édition 2016. Comme à chaque édition, qui dit Festival de Cannes dit mode. Les célébrités qui défilent sur le tapis rouge exhibent les dernières créations des plus grands couturiers du monde entier. Pour eux, c'est l'occasion rêvée d'exposer leur couture. Les festivaliers en profitent eux aussi pour revêtir leur plus belle garde-robe. Talons aiguilles et robes de soirée sont à l'honneur sur la croisette durant tout le festival. Au-delà de la ville et des stars, c'est au tour des anonymes de briller. Les photographes n'auront jamais vu autant de modèles défiler devant leurs objectifs, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Aujourd'hui, il fait plutôt froid, j'ai donc opté pour un impair de chez Burberry, un modèle assez classique de la marque. Ma tenue entière vient de chez Prada, j'aime beaucoup le mariage jupe avec chaussettes hautes. Mes chaussures aussi viennent de chez Prada, j'aime énormément cette marque, c'est l'idéal pour ce genre d'occasion. Le cadre idyllique du bord de mer se prête parfaitement au défilé improvisé des perles de la croisette, une occasion pour les festivaliers qui n'ont pas le privilège d'assister à la montée des marches de tout de même en prendre plein les yeux. Ce soir, c'est Julia Roberts et Georges Clooney qui fouleront les marches du tapis rouge pour présenter leur film Money Monster réalisé par Jodie Foster. Le thème, une prise d'otage dans un plateau télé. Clément Vif vous présente ce film. Jodie Foster sera présente ce soir pour monter les marches du Palais des Festivals. C'est en compagnie d'un casting mirobolant que la réalisatrice américaine présentera son cinquième long métrage. Money Monster est un thriller haletant se focalisant sur le monde de la finance. Lee Gates, interprété par George Clooney, est un présentateur de télévision et gourou de la finance à Wall Street. Alors qu'il entend pleine émission, il est pris en otage par une personne du public, en direct, devant des millions de téléspectateurs. Cet individu tient à régler ses comptes avec la vedette, dont les conseils lui ont fait perdre tout son argent. C'est dans une atmosphère pesante et sous tension que le présentateur et sa régie vont devoir gérer une situation pouvant dégénérer à tout moment. Ce film, comme je vous le disais, est porté par un casting de premier choix. Pour accompagner George Clooney, on retrouve l'actrice Julia Roberts. C'est d'ailleurs la première fois que la célèbre Pretty Woman foulera le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau JT. Et retrouvez-nous sur notre site cannes2016.mediaschool.news. Très bonne soirée à tous. Et à demain. Happiness is